Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient, semble-t-il, beaucoup de choses à se dire. Selon le journal du dimanche publié ce dimanche 31 octobre, après le Conseil européen qui s'est tenu le 21 octobre à Bruxelles, les deux dirigeants ont discuté et veillé jusqu'à 4h du matin autour d'une bouteille de Château Martin. Un moment à deux, en toute intimité, alors que la chancelière allemande s'apprête à quitter la politique, après 16 ans à la tête du pays. Mais cet échange n'était pas le dernier entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ils se sont en effet retrouvés ce samedi 30 octobre pour le sommet du G20 à Rome, rendez-vous qui réunit les principaux leaders mondiaux. Angela Merkel en visite d'adieu en France mercredi et les véritables adieux de Merkel à Macron auront lieu ce mercredi 3 novembre à Beaune, en Côte d'Or. Le président français et sa femme vont recevoir Angela Merkel et son époux Joachim Sauer pour un ultime déplacement en France de la chancelière allemande. Selon la porte-parole du gouvernement allemand, le voyage sera axé sur des échanges personnels sur les questions actuelles de politique internationale et européenne. L'invitation du président Macron est un signe des relations étroites entre l'Allemagne et la France et reflète la coopération particulièrement confiante entre les deux dirigeants, a-t-elle ajouté. Cette visite a aussi été confirmée par l'Élysée qui a précisé que Emmanuel et Brigitte Macron accueilleront leurs homologues allemands à Beaune, une ville dont les monuments historiques et la culture du vin illustrent la richesse du patrimoine français. Selon le communiqué, Angela Merkel se verra remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur par le président de la République. Une beau symbole de l'amitié franco-allemande.